Guten Tag, je suis Jean-Philippe Toussaint. Je vais vous dire d'abord un mot de mon isolement. Au début de l'année 2020, j'ai passé 5 semaines seul à Ostende. J'étais en plein travail, absolument isolé, pour mettre la dernière main à mon nouveau roman. J'étais déjà, sans le savoir, avec un sens aigu de l'anticipation, en confinement total. À mon retour à Bruxelles, j'imaginais que j'allais passer les mois suivants en déplacement dans le vaste monde. J'avais 5 ou 6 événements littéraires et artistiques à mon programme, à commencer par la foire du livre de Leipzig, où je devais présenter la traduction allemande de mon nouveau roman, Der USB. Ensuite, je devais enchaîner avec une exposition au Musée des Beaux-Arts d'Arras, une rencontre dans une université à Naples, un colloque à Rome, pour finir en point d'orgue par participer au colloque international Toussaint et l'Asie, organisé à Chongqing. C'est évidemment le colloque chinois qui a été annulé en premier en raison de la crise du coronavirus. Ensuite, tout s'est délité progressivement. C'est écroulé comme un château de cartes. Tout, absolument tout, a été annulé. Et je me suis retrouvé désœuvré. Ici, à Bruxelles, où en général je n'écris pas. J'ai réfléchi à ce que j'allais pouvoir faire dans les prochains mois et j'ai remis sur le métier un très ancien projet. Je n'en dirai pas plus sur ce projet. Me souvenant d'un passage de mon livre La Télévision, où je souligne précisément les dangers qu'il y a de parler de ces projets avant de les avoir réalisés. Je cite La Télévision. La règle, une fois de plus, semblait se vérifier. Que je ne m'étais jamais encore formulé clairement, mais dont la pertinence m'était déjà bien souvent apparue en filigrane, qui voulait que les chances que l'on a de mener un projet à bien sont inversement proportionnelles au temps que l'on a consacré à en parler au préalable. Pour la simple raison, me semblait-il, que si l'on a déjà joui tout son sou des jouissances potentielles d'un projet aux étapes précédant sa réalisation, il ne reste plus au moment de le mettre en œuvre, que la douleur inhérente à la création, le fardeau, le labeur. Donc je suis très heureux de savoir que Der USB Stick est paru en Allemagne, c'est une traduction de Joachim Unzel, comme d'habitude, mon ami, traducteur, éditeur, Joachim Unzel. Je vais peut-être même faire un exercice périlleux, c'est de vous lire la première phrase en allemand. Eine Leerstelle, ja. Wenn ich daran zurückdenke, begann es mit einer Leerstelle. Alors ce Leerstelle, qui en français, dans le texte original, est un blanc. Je vais vous lire le premier paragraphe de la clé USB en français. Un blanc, oui. Lorsque j'y repense, cela a commencé par un blanc. À l'automne, il y a eu un blanc de 48 heures dans mon emploi du temps. Entre mon départ de Roissy le 14 décembre en début d'après-midi et mon arrivée à Narita le 16 décembre à 17h15. On ne sait jamais tout de la vie de nos proches. Des pans entiers de leur existence ne nous sont pas accessibles. Il demeure toujours des zones d'ombre dans leur vie, des blancs, des trous, des absences, des omissions. Même chez les personnes qu'on croit le mieux connaître, il subsiste des territoires inconnus, mais chez nous-mêmes. N'est-on pas censé tout connaître de notre propre vie? Ne doit-on pas être tout le temps joignable par téléphone, par mail, par messenger? N'est-on pas tenu maintenant d'être localisable en permanence? N'est-il pas indispensable quand on voyage que nos proches sachent à tout moment où nous nous trouvons, dans quel pays, dans quelle ville, dans quel hôtel? Ce qui m'est arrivé pendant ces 48 heures où personne de ma famille ni de mon environnement professionnel ne savait où j'étais, n'était pas une de ces disparitions volontaires, comme il en survient plusieurs milliers chaque année en France. Ce n'était pas non plus une de ces amnésies passagères, un trou de mémoire,
une éclipse fugitive de la conscience due à l'abus d'alcool, quand après une soirée trop arrosée, on ne se souvient plus au réveil des événements de la nuit qui nous réapparaissent dans les vapeurs de notre mémoire embrumée, comme si les choses que nous avions vécues la nuit précédente, et parfois les plus voluptueuses, comme une aventure sexuelle éphémère, étaient advenues malgré nous et avaient par la suite été effacées de notre mémoire. Non, je n'ai souffert d'aucune amnésie de cette sorte pendant ces 48 heures. Au contraire, je me souviens de ces 2 jours avec netteté et précision. Certaines images me reviennent même avec une clairvoyance hallucinatoire. Mais il y a ce blanc. Ce blanc volontaire dans mon emploi du temps. Cette parenthèse occulte que j'ai moi-même organisée en gommant toute trace de ma présence au monde. Comme si j'avais disparu des radars. Comme si je m'étais volatilisé en temps réel. Je n'étais, pendant 48 heures, officiellement, plus nulle part. Et personne n'a jamais su où je me trouvais.